Jean-Michel Legros, je suis le directeur du magasin Biocoop soutenu par l'association L'Auzonne, qui existe depuis 37 ans. C'est une association de consommateurs. Notre métier, c'est la distribution de produits alimentaires 100% biologiques, ainsi que soutenir les productions locales autour de Carpentras sur son territoire. J'ai découvert la médiation quand je suis rentré en fonction en janvier 2021 au sein du conseil d'administration, qui était déjà dans une démarche de médiation avec François. J'ai pu, on va dire, apprécier le travail de médiation en voyant l'évolution des sessions de travail du conseil d'administration qui se sont petit à petit déroulées de plus en plus de manière professionnelle et également dans l'écoute et l'argumentation. Cette médiation a pu rejaillir sur l'équipe en faisant un recueil des perceptions de la qualité relationnelle dans l'équipe de collaborateurs et de collaboratrices qui avaient besoin d'exprimer des frustrations, qui avaient besoin d'exprimer des qualités relationnelles qui n'étaient pas apaisées. Une réunion s'en est suivie, on a pu effectivement s'entendre, s'écouter, partager, argumenter. Nous avons également mis en place cette médiation dans le comité de pilotage qui gère de manière opérationnelle l'activité du magasin avec les 4 membres du comité de pilotage qui sont les personnes qui dirigent ce magasin et moi-même. Concernant le comité de pilotage, nous avons poursuivi cette médiation à travers des études SIC qui permettent de qualifier notre manière de relationner entre nous et de comprendre que nous avons des manières de relationner qui sont différentes et complémentaires. Nous allons pouvoir mettre en place le croisement de ces études SIC afin d'augmenter encore notre qualité relationnelle dans ce comité de pilotage. Nous avons comme projet de mettre en place des cercles d'écoute qui vont prolonger ce travail de médiation et qui permettra à l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de pouvoir s'exprimer en toute bienveillance, en ayant pour objectif d'apaiser les éventuels démarrages de conflits, les éventuelles difficultés que nous pouvons rencontrer, et c'est bien normal dans une activité aussi soutenue que la nôtre. Je suis Emmanuelle Aubry, membre du conseil d'administration depuis novembre 2020. L'association L'Auzonne naissait en 1984 sous la forme d'un groupement d'achat de consommateurs bio. En 1990, après quelques déménagements, ça devient un magasin associatif en partenariat avec le réseau Biocoop. Actuellement, nous avons 3600 membres. Ils sont un réel soutien pour le magasin ainsi que pour l'association. Nous avons connu la médiation professionnelle sur la recommandation de la Biocoop nationale. Les conflits et le manque de cohésion du conseil d'administration rendaient le travail des élus très compliqué. Le manque d'échanges empêchait la prise de décision, ce qui était dommageable pour le magasin et pour l'association. À partir du moment où le médiateur a assisté au conseil d'administration, le dialogue a commencé à revenir. Et depuis, il n'a fait que grandir. Les actions qui ont été mises en place grâce au médiateur, c'est le recueil relationnel des membres du CA et la mise en place de règles de qualité relationnelle. Donc depuis, tout jugement est laissé de côté lors des CA, et puis on a vraiment un dialogue, ce qui fait que les constructions sur des projets futurs sont vraiment réalistes. Je suis Sébastien Fardel, je travaille à la Biocoop depuis 5 ans en tant que coordinateur et vendeur conseil. Je suis également délégué du personnel, donc également administrateur de l'association L'Auzonne. Après des conflits avec des salariés et la direction, François a également commencé une médiation qui a permis d'améliorer grandement les relations dans l'entreprise, éviter que ça bascule comme on a pu vivre ces dernières années, c'est-à-dire des situations qui s'empoisonnent de plus en plus. Et François a permis concrètement, avec son approche de médiateur, d'apaiser grandement la situation. Quand on travaille à la Biocoop L'Auzonne, on a toute une philosophie derrière, un management qui est participatif, où les salariés contribuent au quotidien au projet de l'association. Ça s'était petit à petit dégradé au fil des années avec les tensions, mais avec le travail de François qui a permis une meilleure écoute, une meilleure analyse de la situation, on a réussi petit à petit à réintégrer le participatif dans le magasin. On a une meilleure implication des salariés, une meilleure implication aussi des administrateurs avec une meilleure écoute et une meilleure compréhension de l'un de l'autre. Ça évite dorénavant l'effet un peu ballon qui gonfle et la situation est apaisée et on peut véritablement avancer sur des projets communs qui représentent les valeurs du magasin et surtout le côté participatif, collectif. À l'avenir, nous pensons qu'il serait intéressant qu'en interne, nous ayons une personne qui soit capable d'endosser le rôle de médiation. Et pour ceci, il faudra former un volontaire ou une volontaire à cette capacité d'apaiser les relations comme nous l'avons vécu avec un médiateur professionnel. De cette manière, on pourra de manière pérenne envisager une collaboration professionnelle qui sera efficace, qui prendra en compte l'humain, les différentes facettes de notre humanité quand nous sommes dans le cadre professionnel et qui demande malgré tout des apprentissages, qui demande malgré tout un travail sur soi pour pouvoir avoir une qualité relationnelle dans le monde du travail et en dehors.